La Guinée-Conakry dans l'actualité de ce mercredi avec l'opposition qui condamne la violation du secret de l'instruction par le chef de l'État Alpha Condé. Opposition qui dénonce aussi, je cite, l'acharnement dont sont victimes ses responsables et ses militants. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, rappelons tout de même d'un mot que le président Condé a accusé trois personnalités d'avoir préparé un attentat contre lui en juillet avec la complicité du Sénégal et de la Gambie. Et parmi eux, Bahouri, le numéro 2 de l'UFDG, c'est le principale partie de l'opposition. Bahouri estime, vous allez l'entendre, que c'est parce qu'il s'oppose aux dérives dictatoriales du chef de l'État qu'il est aujourd'hui accusé de la sorte. Ça fait plus de 30 ans que je combats pour la démocratie et la liberté. Nous avons été parmi les premiers, et avec lui, à créer des organisations de défense des droits de l'homme. Et nous avons toujours fait prévaloir les méthodes pacifiques, les mouvements de foule, pour faire prévaloir nos idées. Et jusqu'à présent, c'est dans ce chemin-là que nous continuons. Mais si M. Alpha Condé estime qu'il peut éliminer les gens en leur collant à la peau le titre de conspirateur ou bien de personnes qui veulent attenter à la vie d'un chef d'État, je pense que ce n'est pas crédible. Ça nous rappelle les complots permanents sous l'ancien régime de Sékou Touré. Et je pense que nous allons nous battre. Nous allons mobiliser la population, l'appeler à se mobiliser davantage pour empêcher que le processus démocratique et le processus politique s'enlisent au risque de nous amener vers des situations fâcheuses comme les pays de la sous-région l'ont connu. Propos recueillis par Karine Franck.